Mireba mama tola na bunes image. Mireba chéri tota na bunes image. Celui qui fait promesse est fidèle. Il a dit, je ne te délaisserai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin. Bonjour fidèles téléspectateurs, pourquoi pas notre cher fidèle internaute, maintenant sur Oyo, Bazoulanda Bisso, Image Télévision, Lélo. Bimage Télévision, t'ont proposé Bino, émission face à la caméra. Oyo Lelo, Ngaï, n'a qu'à répondre à ma question, n'a Bino Nyo Soto. Et beaucoup me capé vraiment qu'on découvrir qui est la Miss Mongo. Comment est-ce que n'a qu'à Bimage, Ti Lelo, n'a qu'à directrice générale, y'a Bimage Elkin. Et puis beaucoup y'a, moi, Mouké Vinanga, car une émission Oyo, car un dénoubé que. Lelo, vous allez découvrir face à la caméra où la Miss Mongo n'a qu'au présenter Yango en même temps n'a qu'au répondre à ma question à Bino. Ma comme nous sommes venus sur la Miss Mongo, vous êtes Yango déjà à la Bimage Télévision, donc vous allez la Kawana brancher pendant la Bimage Télévision. Voilà. Oui, si je peux dire par rapport à ma carrière professionnelle, d'abord j'ai commencé comme toute autre personne. Et à quoi les cas d'abord on a ma formation où je essaie que mutu aller kawana pour que un jour akoma journaliste chroniqueur et tout, donc la Miss Mongo, et j'ai eu le temps d'étudier, j'ai eu le temps vraiment d'apprendre la communication. J'étais à l'IFASIC et lorsque j'ai fini, je me suis dit que non, il fallait continuer sous sa pique parce que dans la Nakango, Namonique, Isaki centre à formation professionnelle. Et puis, Isaki vraiment n'a pas trop qualifié. Baoutaki, na États-Unis, qui a implanté centre à Nabango Awa pour promouvoir Kaka communication. Donc, lorsque j'ai vu que Apik, Isaki a formé Pelisusu, communicateur, si je peux le dire, n'a hésité à bien que j'étais déjà à l'IFASIC, bien que j'avais fini à l'IFASIC, mais je m'étais décidée de rejoindre la PIC pour ajouter encore un plus par rapport à ce que j'ai déjà appris, par rapport à ce que j'avais appris à l'IFASIC, pardon. Et lorsque je suis allée à la PIC, j'ai appris tout ce que je pouvais apprendre, tout ce que je pouvais ajouter pour ma carrière professionnelle. Et j'avais fini et j'ai reçu un diplôme de mérite que je l'ai toujours. Malheureusement, je ne l'ai pas ici pour vous le présenter. Et voilà. Et après, j'étais qualifiée en tant que journaliste professionnelle. Et en ce moment-là, j'avais reçu un papier de stage. Donc, j'étais allée exercer mes stages professionnels à la RTVS 1. Et après ça, j'ai intégré un KNB qui était l'organe de presse de M. Jimmy Mukendi Chimanga, honorable. Je vous salue. Et là, j'ai fait 7 mois. D'abord, j'avais fait 3 mois de stage. Et après, j'ai eu une attestation de fin de stage que M. Jimmy Mukendi m'avait remis. Et après, j'étais engagée. Je travaillais dans KNB. J'ai travaillé dans KNB pendant 7 mois. Et après, là, c'était en 2016. Et après, je me suis dit que ça n'allait plus bien par rapport à mes attentes. Lorsque j'ai eu l'offre de travailler dans B-Image, c'était une consoeur à moi. Eleonore et Kinunga que je salue, et c'est elle qui m'a contactée pour me dire que non Naomi, il y a une chaîne de télévision B-Image, nous avons besoin de journalistes, mais comme moi je te connais bien, je sais que je connais tes capacités, je connais ton savoir-faire, je veux que tu viennes, que tu m'aides pour qu'on essaie de remonter le défi quoi. Bon, j'avais pas hésité vu qu'Eleonore Kinung, elle était déjà une cancer. On travaillait déjà, une collègue du travail, on travaillait avec elle avant dans KNB. Bon, lorsqu'elle m'a appris que non, elle avait besoin de gens pour travailler dans B-Image Télévision, je n'avais pas hésité. Je suis partie et
Après quelques temps, je suis passée par le casting, le test et tout. Bon, lorsqu'ils ont vu mon savoir, ils m'ont dit que non, j'étais directement engagée en tant que journaliste. Et après quelques jours, j'ai été nommée secrétaire. Et on a commencé à évoluer, on a travaillé, on a donné le meilleur de nous. Ben, comme le travail avait permis qu'Eléonore parte, parce qu'elle travaillait aussi quelque part, et vu ce qu'elle avait, ses occupations et tout, ben, elle s'est décidée de partir. Elle m'a laissée étant que toujours sa copine, sa collègue, sa consoeur. Et par rapport à ce vide, mon boss avait jugé bon de me donner la place d'Eléonore Kinunga. Et j'ai eu sa place étant que directrice générale de B-Image Elkin. Donc j'ai commencé à travailler et étant que directrice générale de B-Image Elkin jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ce que je peux vous dire par rapport à ma carrière. Et ça fait déjà deux ans que je suis dans B-Image Télévision. Deux ans. Donc voilà. Ça, B-Image a été un peu, je dirais, déséquilibré par rapport aux gens qui travaillaient avant. Les gens ne fournissaient pas beaucoup des efforts pour l'évolution de cette chaîne. Mais lorsque moi, j'ai repris le défi, j'ai relevé le défi, ben, j'essaie quand même de remonter certaines choses parce que diriger une entreprise, une grande entreprise comme celle de B-Image Télévision, ce n'est pas une petite... je dirais pas un petit truc quoi, c'est vraiment du travail, c'est vraiment une grande responsabilité. Mais si je peux vous répondre, je dirais que ça évolue. Et moi personnellement, je dirais que par rapport à ma carrière, si je pourrais dire par rapport aux directrices qui sont passées, et par rapport à ma carrière, par rapport à mon époque, je dirais que B-Image évolue au niveau du Congo. Ça évolue très bien parce que nous avons beaucoup des émissions enregistrées. Et c'est chaque jour que les gens travaillent, c'est chaque jour que nous fournissons des efforts, c'est chaque jour que nous enregistrons des émissions, c'est chaque jour que nous travaillons comme il se doit. Donc B-Image Télévision, ça évolue bien. Je peux dire... il y a de la réussite. Il y a vraiment de la réussite parce que nous travaillons. Preuve en est que mon boss me confie encore beaucoup de choses. Et d'ici là, vous aurez B-Image Agence de voyage. Et je crois dans un mois, vous aurez aussi B-Image Espace Bar VIP. Donc voilà. Donc à partir du mois d'avril que j'ai eu des responsabilités en tant que directrice, donc B-Image a pris une vitesse que je ne sais comment vous expliquer. Donc ça évolue et ça nous paye. Prévenons, nous avons des agents qui se marient, en commençant par le coordonnateur de B-Image Télévision, Elbrevi Elonga, et d'autres. Donc cela veut dire que B-Image, ça nous paye. B-Image, nous aussi, nous faisons un effort de mettre un plus, d'ajouter quelque chose, ne fût-ce qu'un dollar, quelques trucs comme ça, je sais moi. Donc on essaie quand même de donner le meilleur de nous. Et en retour, nous recevons aussi ce que nous donnons. Donc c'est un peu ça. Donc B-Image, ça évolue bien. Et il y a des agents qui se marient. On enregistre au moins deux mariages ce mois-ci. Donc c'est pas facile, hein. Voilà. Ça évolue. Ben, les difficultés, ça ne peut pas manquer. Parce que déjà, comme on le dit, hein, place Batou Bazali, Makambizan Akate, voilà. Donc, difficultés, Zala Ranango. Mais mon patron, mon PDG Yves Mavambou, il essaie un peu de résoudre certains problèmes, certaines difficultés, si je peux le dire. Donc, moi, je dirais qu'on n'a pas assez de difficultés parce que. Nous avons tout le moyen possible pour bien travailler. Tout le moyen, je le dis. Tout le moyen possible pour bien travailler. Nous avons un bus qui nous permet de travailler, de se déplacer en moyen de transport. Et nos agents sont très bien payés. Voilà, comme je l'ai toujours dit, voilà pourquoi ils se marient. Parce qu'ils sont bien payés. Je ne pense pas qu'un homme qui n'est pas bien payé peut
peut se marier, et nous le savons tous, Kéakine, pour se marier, ça demande de l'argent, beaucoup d'ailleurs. Mais quand les gens se marient, quand les gens parviennent même à payer de billets de voyage pour eux-mêmes, donc cela veut dire qu'il y a quand même quelque chose. Et on n'a pas assez de difficultés, si je peux le dire. La difficulté, c'est peut-être au niveau de la technique, peut-être ça. Mais pour nous, moi je ne trouve pas grande difficulté. Parce qu'on a tous les moyens possibles pour bien travailler. En fait, c'était juste pour te rappeler, en fait. Ça fait partie de la manière dont je suis entrée dans BIMAGE. J'ai intégré BIMAGE, donc voilà. C'est lorsque j'ai intégré BIMAGE que tout a commencé. Donc, c'était juste deux points pour vous rappeler comment est-ce que vous allez faire le truc, voilà. Et moi, je peux dire... Si mon patron Yves Mavombou me permet de faire de grandes choses, si mon boss m'a totalement confié cette grande responsabilité, c'est parce que il a remarqué qu'en moi, il y avait quelque chose, il y avait un sens de responsabilité. Ce n'est pas facile, hein, je le dis par cœur, Boketu, ce n'est pas facile de diriger de grandes personnes. Et il faut vraiment être très sage et intelligent sur tout ça. Mon boss m'a fait confiance parce qu'il a retrouvé quelque chose en moi qu'il a apprécié, je peux le dire. Je ne peux pas dire que je suis la plus belle, la plus respectueuse, la plus c'est quoi, je sais moi. Mais du moins, je fais mon travail comme il se doit. Et lorsque mon patron me demande de faire un truc, je n'hésite pas. Quand il me donne du travail, je n'hésite pas. Je ne discute pas. J'exerce d'abord. Je fais d'abord ce qu'il me demande. Et après, s'il y aura des réclamations, ça sera après. Mais d'abord, je dois d'abord exécuter ses ordres. Voilà. Ben, moi, je dirais que le secret de ma réussite, c'est... Je dirais... d'abord, c'est la confiance en soi-même. La détermination et l'amour de donner ce qu'on a, tu vois. Tu sais, dans la vie, quand tu n'as pas confiance en toi, en soi, si je peux le dire, quand tu ne te fais pas confiance, c'est difficile que les gens te fassent confiance. D'abord, tu dois être sûr de toi. Moi, quand je fais un truc, je me dis que ça va donner quelque chose. Je sais que, oui, c'est difficile de voir. Peut-être tout ce que nous souhaitons avoir... On n'arrive pas forcément à la trouver ou à la voir. Mais du moins qu'on a la détermination, la confiance en soi-même. Et je crois qu'on finira toujours par réussir. Et moi, j'étais vraiment déterminée de réussir. J'étais déterminée de relever ces défis. J'étais vraiment déterminée de donner le meilleur de moi, de marquer ma génération, de marquer ma carrière. Que même si aujourd'hui je ne suis pas dans BIMAGE, mais qui aide des gens... qui vont témoigner des très bons témoignages. Que Naomi, elle était une combattante, comme je l'ai toujours dit, que je suis la combattante de BIMAGE Télévision. Je me bats à 100% pour l'avancement, le progrès de cette chaîne. C'est un peu ça, donc, la détermination, la confiance en soi-même, et tout en associant Dieu, parce que je ne sais pas si tout le monde est chrétien, mais du moment où je suis chrétienne, et... Je mets toujours en premier lieu mon Dieu, donc j'associe mon travail avec la prière, et voilà le secret de ma réussite, c'est un peu ça. Ben, il y a des gens qui disent que non, Azako exploité, yo. Ben, moi je dirais que c'est faux. Yves Mavombou a exploité, il ne nous paye pas, non, moi je suis bien payée dans BIMAGE. Les gens qui m'ont connue avant, et s'ils me regardent aujourd'hui, ils diront que non, Naomi, j'ai pas grand-chose, j'ai pas assez de moyens, je n'ai pas de millions et tout. Mais du moins, avec le peu que je gagne, je me retrouve. Donc, je peux dire que mon boss m'a fait confiance. Et moi, en retour, je dois vraiment l'honorer. Je ne peux pas le décevoir. Je dois vraiment faire de mon mieux. Je sais qu'il y a des gens qui disent, il y a toujours des rumeurs. Ah, ça, que exploité, yo. Ah, ça, la bongo. Non, j'ai un contrat. Que je travaille dans BIMAGE et je suis bien payée. Chaque mois, je touche mon salaire et je trouve pas... Moi, d'ailleurs, tout ce que les gens disent là, moi, ça...
Moi, je ne m'intéresse même pas à ça parce que je sais qui est Yves Mavambo. Je sais ses capacités, je sais sa façon de faire les choses. Mon papa d'amour, je l'aime trop. Donc, je dirais ça en lingala pour qu'il y ait une meilleure audition. Donc, tout le monde sait que Yves va exploiter le journaliste qui a foutu la bangote. Botika, parce que d'accord là la raté moi il va placer et tanga exacté donc nga kande na bibula mwa ya mon boss on a et puis na ba auto zo travailler na bango neto yebi qui est Yves Mavambo, c'est un peu ça. Je dirais je vais vous relater un petit une petite histoire de moi et vous dire certaines choses que je n'aime pas. Bon, d'ailleurs en commençant, ce que je déteste le plus, c'est le mensonge, l'ingratitude, la haine et tout. Et tous les autres là. Bon. Ce que j'aime plus, c'est d'abord Dieu, je l'aime trop. Ma maman, ma famille, mon travail, mes collègues, mes connaissances. Tu vois, dans la vie, si tu n'as pas l'esprit d'aimer ton prochain, je ne pense pas que tu peux y aller loin. Déjà, moi, j'aime bien mon entourage et c'est déjà un pas, hein, c'est déjà un pas. Et ce que j'aime beaucoup manger, mon repas préféré, moi, je suis Mongo, je suis de l'Équateur. Ce que j'aime bien manger, c'est le pondu, hein, pondu ya moussaka, nambala, nini basala wana, donc c'est un peu ça. Et puis ma chanson préférée c'est la chanson Bundes Image, tu vois. On a chanson là, on a linga mingi tellement que bah imba sit nanga, donc na linga on mingi. Et puis na linga bande mbunyoso oyo ezo kobakisa en plus oyezo teya oyeza ko éduquer. Et moi, je veux vous dire un truc. Bimage Télévision, c'est une grande entreprise. Ce n'est pas comme vous le pensez. Si tu veux découvrir Bimage, viens en privé. Cherche-nous. Tu comprendras la grandeur de Bimage Télévision. Et d'ailleurs, tenir surtout au bord de ma baie à Bimage. Ça tellement mon pied. Et moi, écoute, tu as qu'à s'apprendre à la banque exacte parce que. Regarde déjà dans le bar. Et petit problème. Hein? Ça ne fait même pas partie. Il y a un problème à vie. Nanga. Et na vie, ce qui est c'est que c'est ce qui fait la force d'une personne. Aujourd'hui, c'était juste pour vous relater un tout petit peu mon histoire. Comment est-ce que j'ai intégré Bimage? Qu'est-ce que j'ai fait dans Bimage? Qu'est-ce que j'ai innové? Moi, je dirais que j'ai appris beaucoup de choses auprès de mon boss Yves Mavambo. Bien que moi, je lui ai toujours dit mon maître, c'est monsieur Jimmy Mukendi. Il y a un plus. Mais à papa Yves Mavambo, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, je suis vraiment reconnaissante. Je suis vraiment reconnaissante parce que oui, comme je l'ai toujours dit, nul n'est complet, on se complète toujours dans la vie. C'est un peu ça. Mais moi, ce que je peux vous demander, mes fans, vous abonnez massivement à l'Image Télévision. Ça vous permettra d'avoir plus des informations sur nous et de découvrir tout ce que nous faisons, tout ce que nous proposons pour vous, tout ce que nous réalisons pour vous. Et vous ne serez pas dessus parce que Image Télévision, tout ça a raté. Donc voilà. Oh là là. honnêtement, je ne suis pas encore mariée. Mais par cœur, attends, tu vis dans le monde des idées ou quoi? Parce que si tu vis dans ce monde sensible, un monde réel, il faut y aller. Tu sais, le baraque, non, biso ma fille à télé,
Tolingato qui m'a mabala, c'est faux parce que il y a des filles, il y a des journalistes, il y a des chroniqueuses qui se marient. Et ça quand que mon tosoi tonna et pessi et coqui à obala. Moi je suis pas pressée de me marier. Je ne suis pas pressée. Et je n'aime pas aussi étaler ma vie privée à la télé. Ça c'est mon travail. Vous n'avez pas besoin de me connaître au fond. Non, c'est pas important. Mais je vous dirais que je ne suis pas mariée. Je ne suis pas encore mariée. Mais je vis déjà avec quelqu'un que vous allez bientôt découvrir. On est à secret. Mon amour, je t'aime trop, papa. Moi, on t'a raconté. Donc voilà. Donc, bon, oui, bah, kakaso, on n'a pas lu, oui, bah, non. Et bon, non, bon, bah, oui, bah, et ça a diffusé une habille majeure. Et puis, la chaîne, mais ça, c'est donc. Mais, Nazan, on a marié, t'es. Bah, merci, Nabino Stoyo, Bozo qui t'en Hollande, Bissou Bimage Télévision. Merci, Nabino Stoyo, Bozo, ton Nabino Pono Hollande, émission face à la caméra, la Miss Mongo face à la caméra. Un grand merci à toi, mon papa chéri, hein, mon boss Yves Mavombo, le patron de Bimage Télévision. Hein, moi, bien, moi, toi, foutara bien. Il n'y a pas de quoi. Mon sponsor officiel, David Mangaya. Le patron de Dipouch Engel. Pourquoi pas l'équipe technique, eux accompagnent Kanga toujours. Hein? Babi, le caméraman Swag. Et pourquoi pas Elbrevie Longa. Bah, félicitations, Nabino, les nouveaux mariés. Hein? Bimage Do, Continuka Kobalista, 600 de Paris. Maestro Zégué Pouvoir. Et là, je vois la reine Chalama, Machala, Chala, la reine. Et un grand merci aussi à toi, Patrick Tango, maman Angèle Mwanza, maman Bolamo, maman Motema Boboto, maman Asolaka. Bien, maman, Anna, je vous assure, vous ne pouvez pas vous imaginer comment est-ce que maman Asolaka. Et un grand merci à vous, maman Espé Mbombo, la valeur sûre. Maman Espé Mbombo, la valeur sûre. Un grand merci aussi à mon ami, hein, mon ami de quartier, mon ami de longue date, AgroProd, le professeur des élèves Zambé à Image. Si vous avez vraiment besoin d'un reportage sérieux, hein, à part Image, j'ai encore un ami qui le fait. Contactez AgroProd et Ready Image. Hein, Ready Image, Mbala Mwindo. Un grand merci aussi à toi, Babi, Tonton Moka Mbinga, Tonton Moka Fossette, Aaron Kie da Cruz. Hein, Aaron Kie, donc Babi et Salom Obimba. Aaron, Libanon, on a vu que Salom Obimba. Merci aussi à maman chérie, ma conseillère, maman Jackie Boussmil, toute ma famille, la famille Samba, toute la famille Bimage Télévision, pourquoi pas à toi, Mouchopi. Mouchopi, Rosine Mouchopi et Junior Nzinga, John Zila, Christian Mokelo, Nabi qui vous a tellement aimé, sous le manteau Tanga Binoawa et Kokate parce que vous êtes tellement nombreux. Abonnez-vous massivement dans Bimage Télévision et au Salanga Mobimba. Merci, moi je vous retrouve prochainement. Celui qui fait promesse est fidèle. Il a dit, je ne te délaisserai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin.